Donc, moi, je m'appelle Alexandrine et on est présentement au centre équestre Géronimo. Le centre équestre Géronimo, c'est une école d'équitation où on offre des cours d'équitation, des camps de jour l'été. On offre aussi la pension pour chevaux et l'entraînement de chevaux. C'est un centre équestre qu'on a acquis il y a 6 ans, mon conjoint et moi. À ce moment-là, c'était une écurie privée où il y avait environ une dizaine de chevaux. Actuellement, on a une cinquantaine de chevaux. On a maintenant un manège intérieur et plusieurs installations là, qui nous permettent de pratiquer à l'année. Est-ce que tu fais de la zoothérapie aussi avec ça? Moi, j'ai une formation pour être instructeur en équitation thérapeutique. Par contre, je ne suis pas encore certifiée. J'ai actuellement trop de travail pour aller développer ce volet-là, mais c'est quelque chose qu'on aimerait faire éventuellement. Puis, je suis en train de m'affilier là, avec des collègues là, qui vont développer un peu plus ce volet-là. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ton implication auprès de la maison familiale? Oui. Depuis le début qu'on a le centre équestre Géronimo, on reçoit des stagiaires. J'en ai eu énormément de tous les niveaux, que ce soit secondaire 3, 4 ou 5. Filles, garçons avec des expériences équestres différentes. Maintenant, je donne un coup de main à la MFR aussi. Là, je vais faire des supervisions de stage. Donc, je suis à la fois maître de stage et superviseur de stage. Puis, j'ai fait quelques remplacements là, de Raphaël, qui est professeur en équin à la MFR. Okay. C'est quoi que t'aimes là, de... Quand tu reçois des jeunes de la maison familiale ici en stage, là, c'est quoi que tu aimes le plus? C'est tantôt tu as parlé de les voir évoluer. Oui. C'est une chose, mais tu leur enseignes aussi. Hein? Oui, moi je vais leur enseigner. Dans le fond, il y en a qui arrivent ici et qui ont une expérience avec les chevaux déjà. Puis il y en a qui arrivent ici et ils n'ont aucune expérience avec les chevaux. Donc, quand ils n'ont aucune expérience avec les chevaux, ça va être de partir du début. Comment on approche le cheval, comment on le manipule, prendre soin du cheval. Ils vont apprendre à le nourrir, l'entretenir. Donc, on nettoie les box, on donne le foin, la mouler. Ils vont apprendre les soins qu'on a à faire quand il y a des blessures, mettre les couvertures. Ensuite, tranquillement, on va aller vers l'entraînement. À la longe, par exemple, comme on a fait tantôt. Là. Puis de temps en temps, ils vont avoir le droit de monter à cheval. Là. C'est un peu leur récompense aussi. Okay. Ça leur fait plaisir. Okay. C'est ça qu'on fait un peu avec eux là, tout au long de la journée. Ah, mais c'est bien. C'est bien. Les jeunes, ils doivent aimer ça, ils doivent adorer. Oui, je pense que les jeunes aiment ça. Ça fait changement de l'école, ils ont hâte à leur séjour, ouais. Puis ils ont du plaisir en travaillant. OK. On va tester ça tantôt. On va leur poser la question. Oui! Bonjour Noémie. Bonjour. Puis nous expliquer pourquoi tu étais dans un DEP équin à la maison familiale. J'ai choisi d'aller là juste parce que j'aimais les chevaux et j'aimais le volet pratique qu'il y avait aussi avec l'école. OK. C'est quoi le thème à la maison familiale? J'aime qu'il y ait 2 semaines d'école et 2 semaines de stage, que c'est pas juste comme la théorie toute l'année. Il y a un peu de pratique aussi à faire. C'est quoi la raison que tu es venue à la maison familiale? Je pense que la principale raison, c'était pour développer un peu mon habilité à travailler à manuel et tout. Découvrir un peu c'était quoi de faire un DEP aussi. OK. Toi, tu viens d'un milieu, d'un village? OK. Donc, tu ne connaissais pas les chevaux du tout? Pas vraiment. Non? Donc, pour toi, c'est une initiation. Oui. Puis, tu aimes ça? Oui. Oui? Tu penses faire quoi l'an prochain? Tu vas faire ton secondaire 5? Oui. Parce que là, tu es en 4. As-tu une idée de tes perspectives d'avenir? Pas vraiment. Je suis presque sûre de ne pas aller dans le volet des chevaux, mais au moins pour l'instant que je suis à l'école, j'aime ça faire un peu ce que j'aime en même temps. Fait que, merci beaucoup. Bon, bonjour. Kim Beurlé, ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va bien. Peux-tu d'abord te présenter et dire pourquoi que tu es à la maison familiale? Ben moi je m'appelle Kim Beurlé. Je suis en maison familiale rurale parce que j'adore les animaux. C'est une passion pour moi. Comme dans les chiens et les chevaux, beaucoup plus. OK.
t'es inscrit à la maison familiale, pour quelle raison? Tu t'inscris parce que tu aimes les animaux? Mm-hmm. Mais est-ce qu'au niveau, au niveau scolaire, est-ce que ça va bien? Ça va plus ou moins bien, mais c'est la maison familiale rurale, c'est pas mal une école où est-ce qu'ils nous aident pas mal dans les qu'on a de la misère, là, plus à l'école qu'on a de la misère, souvent. T'as fait tes stages où? Chez Géronimo, ici. OK. Et chez Paul Chaffron, qui est bien connu par la maison familiale rurale. OK. Donc, toi, t'es arrivé en secondaire 3 ou 4? Je suis arrivée en secondaire 3, puis là, en ce moment, c'est ma troisième année, je suis en secondaire 5. OK, tu es en secondaire 5, donc ouais. Tu termines. OK. Ouais. Tu penses, pour l'an prochain, tu penses faire quoi? Je pense aller au cégep, aller dans un autre domaine? Oui, un autre domaine, en éducation spécialisée. OK. Mais c'est sûr que la passion pour les chevaux va toujours rester. Okay. J'adore les chevaux. Donc, ça peut être une option? Oui. Aller à un DEP pour les intervenantes. Pardon? Les intervenantes. Les intervenantes spécialisées, mais, ouais, mais tu n'exclus pas la possibilité de travailler avec des chevaux. Oui, exactement. Faire de la zoothérapie. Oui. C'est ça? OK. Puis, tu peux-tu nous expliquer, ici, là, en stage, tu fais quoi? Souvent, quand on arrive le lundi matin, bien, comme chaque matin, on commence à faire le train, on donne un peu de foin aux chevaux à l'intérieur. Et ensuite, on va commencer à donner le foin à l'extérieur, on va s'assurer que tous les chevaux ils ont de l'eau, du foin, on donne la moulée. Ensuite, on revient. Puis on fait la moulée à l'intérieur, puis après ça on commence à sortir les chevaux qui sont à l'intérieur. Souvent il y en a qui restent seulement pour la nuit, puis qui fait plus froid. Mais il y en a certains qui restent la journée au box, comme Lune qui est une maman. Il faut qu'elle reste à l'intérieur. Mais on fait le train le matin. Souvent on fait les box, on finit vers midi. En après-midi on refait les bacs de moulée. Puis des fois on entraîne des chevaux. On prépare les chevaux pour des cours le soir, puis on refait le train le soir. Puis okay. Ça fait pas mal notre journée. Ah oui? Oui. Tu vas aller en France cette année, je pense, hein? Non, ça l'a changé, on s'en va en République. En République? Avec les filles et les kids, oui. Tu peux-tu nous expliquer votre voyage? Dans le fond, on a décidé, en secondaire 3, on a décidé de... C'était censé être un voyage en France. Finalement, ça va être un voyage en République. On a décidé d'aller dans le sud pour que ce soit plus le fun. On est seulement que des filles. On est 5 équipes dans secondaire 5. Puis on part après Noël, en hiver. Là. Ça va être vraiment le fun. On va partir pour 2 semaines. Puis on était censé faire une semaine de stage, une semaine d'activité. Puis finalement, ça a tourné que... On va faire, chaque matin, on va aller à l'écurie, on va faire un peu de le train, on va aider un peu à faire les box, tout ça. Puis, durant la journée, on va faire plein d'activités dans le sud. Ouais. Donc, tu vas dans un ranch là-bas, là? Ouais, on va aller à chaque matin, on va aller dans le ranch, puis durant la journée, on va faire des activités. Vous êtes tombée pas chanceuse. Est-ce que oui, j'ai vraiment hâte, surtout que je trouve ça le fun que notre professeur Raphaël aille fait cette découverte-là, ben aille proposer ce voyage parce qu'il est vraiment le fun. C'est super beau là-bas. On a fait des recherches, on a planifié. Durant nos heures de classe, on a essayé de prendre du temps pour trouver une maison, trouver des activités qu'on doit faire, faire un planning un peu de notre séjour là-bas. Puis notre budget, comment ça allait nous coûter. C'est sûr que c'est quand même cher pour un voyage, mais... 13 jours, mais c'est quand même assez impressionnant. Ça va être des belles aventures. OK. En tout cas, on va vous souhaiter un bon voyage. Merci. À qui tu recommanderais de venir dans une maison familiale? Je recommanderais surtout aux personnes qui ont plus de facilité à travailler manuellement, puis qui ont surtout de la misère à l'école, parce que c'est une bonne école pour nous aider à apprendre des choses. Puis en même temps, ben, les professeurs sont plus là pour nous, à notre écoute. Oui, c'est des plus petites classes. Puis si on a de la maison, on peut toujours en parler avec un professeur. Puis il va toujours être là pour nous écouter. Comme moi. J'ai eu beaucoup de facilité à
travailler manuellement. Sauf qu'à l'école, c'est beaucoup plus difficile, j'ai des moins bonnes notes, mais j'y arrive avec des bons professeurs comme à la maison familiale. Ah, ben c'est bien. Oui. Merci.